L'équipe de cuisine du Metz d'Enosport à Avray met la touche finale à la préparation des 200 repas qui seront livrés dans quelques minutes auprès du personnel de l'hôpital Ambroise Paré. En fait, pour eux, on leur a fait ici des boulettes sauce tomate avec une purée maison. Et évidemment, à partir de produits tout à fait frais, de A à Z, quoi. Avec une activité qui tourne au ralenti depuis ce deuxième confinement, l'idée de créer une opération de solidarité a germé très vite auprès des responsables et elle a été accueillie avec enthousiasme par le personnel de cuisine. Dans le contexte de crise actuelle, on doit faire face à plus ou moins 80% de nos activités qui sont supprimées. On a un restaurant ici qui fournit habituellement 150 repas par jour, plus ou moins. L'ensemble du personnel est disponible et mobilisé dans cette action. Voilà. Oui, tout à fait, on était tous d'accord en fait, de faire cette initiative-là. Et puis derrière moi, j'ai quand même une équipe qui est vraiment super motivée pour ça, donc ça n'a pas posé de problème. Deux livraisons hebdomadaires seront réalisées par la province de Hainaut, soit 400 repas qui apporteront une aide concrète à celles et ceux qui se battent sur le front de la maladie. On a une liste d'une vingtaine de services, donc 20 services vont recevoir 10 repas. Et ces repas, généralement, soit ils peuvent être consommés le jour même par le personnel, où le but c'est aussi de que le personnel reprenne chez eux les repas, comme ça ils n'ont pas la tâche des repas à préparer le soir après leur journée, parfois de 12 heures de travail ici. Quand on arrive dans les unités de soins et qu'on arrive avec les 10 repas, les 20 repas, les infirmières nous accueillent avec les bras verts et on reçoit beaucoup de mails de remerciements de venir en soutien aux équipes. Une aide qui se poursuivra aussi longtemps que la situation l'exigera.